En septembre 2021, le Collège technique Onkrango de Târgu Neamț a été invité par l'Association des professeurs de français de la vallée d'Ozana et par Terra Albastra, une organisation non gouvernementale française, à participer à un projet éducatif intitulé « La biodiversité chez nous ». L'objectif de ce projet était de présenter le rôle et l'importance des abeilles mellifères dans notre région où beaucoup de familles ont des ruches dans leur jardin. Nous nous sommes occupés de la partie scientifique de ce projet et pour cela, nos élèves ont eu comme point de départ dans leur recherche en interview de monsieur le directeur Gheorghe Apetrei, un apiculteur connu et apprécié dans la région, intitulé « Les abeilles et les écosystèmes ». Cette interview fait partie d'une série d'interviews réalisées par monsieur Dominique Lefebvre, le président de Terra Albastra, dont le but et de présenter des contenus scientifiques en lien avec les objectifs de développement durable de l'UNESCO. En novembre 2021, pendant la vidéoconférence, nos élèves ont présenté leur matériel intitulé « Les abeilles au cœur de la nature » devant les élèves du Collège Marie Curie de Paris. En tant que professeur de français, je suis très contente de l'expérience que mes élèves ont eue. Pendant ce projet, nos élèves ont enrichi leurs connaissances scientifiques sur les abeilles mellifères. Ils ont élargi leur champ lexical en français et aussi une chose que je considère très importante dans l'apprentissage de la langue française. Ils ont découvert le français comme langue de communication à travers les dialogues avec les natifs francophones. Pour le futur, je voudrais continuer à participer à ce type de projet avec Terra Albastra pour le bénéfice des élèves et pour la promotion de la langue française dans l'enseignement en Roumanie.